Bonjour à tous, bienvenue sur Fais Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis un an et demi, je reçois à mon micro des créatrices et créateurs qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des DIY, mais aussi des illustratrices et des aquarellistes. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont ils ont fait leur métier. Aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière partie de l'épisode Feuilleton que je vous propose avec mon invitée Anne-Claire du compte Instagram Saléandre. Cette quatrième partie a été enregistrée fin mars 2021, donc assez récemment. Anne-Claire y parle de ses derniers mois qui ont conclu la préparation du livre et de tous les autres projets qu'elle mène en parallèle. Allez, c'est parti pour l'écoute. Bonjour Anne-Claire, je suis très contente de te recevoir pour ce nouvel épisode. On est fin mars cette fois-ci. Ouais, on est fin mars et les choses ont commencé à prendre une tournure insoupçonnée malgré tout ce qui s'est déjà passé. Il y a d'autres choses qui se sont passées, c'est assez fou tout ce qui arrive. Ah, mais ce teasing de fou! Vas-y, raconte! Bah, le pire, c'est que, en fait, les gens sur Insta ne sont pas au courant des 90% de ce qui se trame. Au moment où ils vont écouter le podcast, normalement, du coup, tu le sortiras à peu près au moment de la sortie du livre, je pense. Mm-hmm. Du coup, là, ils seront au courant à peu près. Mais du coup, donc j'ai fini mon livre. Ça, c'est bon. J'ai signé indirect. C'était informel, mais en gros, on peut dire j'ai signé le BAT. Ça s'appelle le bon à tirer. C'est-à-dire que j'ai validé le contenu du bouquin. J'ai dit c'est bon, vous pouvez l'imprimer, quoi. Donc là, j'ai pas de nouvelles depuis jeudi, mais je pense qu'il est parti. Il se fait imprimer en Espagne. Bon. C'est souvent le cas en fait. Ouais. Regardez, quand tu regardes à la fin des livres, c'est souvent écrit en Espagne. Et, ouais. Donc je pense qu'il est parti et il sort le 19 mai. Ah, une date. Voilà, enfin une date. Enfin, ça fait trois quatre semaines que j'ai une date. Mais c'est vrai que ça a été. En fait, mon éditrice la connaissait depuis assez longtemps, mais elle me la donnait pas. Enfin, j'y pensais pas forcément. Et je sais combien il va être vendu, combien d'exemplaires vont être tirés. Donc il va être vendu à 19,90€, donc je trouve ça assez cool parce que pensais que voilà, ça allait être moins en fait. Ouais. Ah ouais, moi j'aurais pensé plus. Bah non, bah chez Marabout, les prix c'est plutôt 15-17, tu vois. D'accord. Donc c'est assez cool. Et il va être tiré un nombre d'exemplaires assez sympa, donc voilà. Nickel. Alors là, donc effectivement, du coup c'est très concret parce que tu as forcément validé. La couverture. Oui, alors ça. T'as fait des photos avec un photographe. Oui, donc je te raconte. Donc, en fait, on s'est quitté la dernière fois le 1er février. Ouais. Ça fait pas longtemps, mais il s'est passé plein de trucs. Donc, en fait, j'ai même mon petit carnet sous les yeux. Faudrait que je fasse des photos sur Insta pour montrer, mais le carnet où j'écris chaque jour, pas chaque jour, mais où il y a un truc qui se passe. Et en fait, le gros truc, le 4 février, j'ai créé avec l'aide de mon agent Mélanie, parce que moi, je suis une phobique administrative, donc j'avais besoin d'un petit soutien, même gros soutien. On a créé ma micro-entreprise. Super. Voilà. Donc, puis les choses après se sont mises en place. Là, j'ai quasiment finalisé aussi de voir avec la banque et tout. Parce qu'en fait, comme j'ai fait un live avec iMake fin février, qui a été rémunéré, du coup, ça me permettait voilà d'ancrer les choses. Moi, j'avais repoussé jusqu'au dernier moment cette création de micro-entreprise. Je me disais, oh, j'en ai pas besoin. Mais en fait, ça me fermait beaucoup de portes de pas en avoir. Mmh. Et du coup, là, ça m'a convaincue de me dire, bah, allez, je me lance. Et puis, maintenant, on m'arrête plus. Non, quand même pas. Alors, voilà. Parce que, juste une précision, tu n'avais pas besoin d'être en micro-entreprise pour pouvoir être autrice. C'était non. Sous un statut d'artiste-auteur. Oui, le statut d'artiste-auteur, voilà, peut être cumulé avec un autre métier, du coup. Mmh. De même que la micro-entreprise. Mais voilà, statut d'artiste-auteur, en fait, a priori, bah, c'est prélevé directement à la source au niveau des impôts. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un statut particulier de micro-entreprise. Parfait. Et alors, donc maintenant, ça t'ouvre d'autres portes d'avoir cette micro-entreprise? Bah, c'est que en fait, ça me permet d'arrêter de dire non à des trucs. Parce que, après, j'ai pas non plus dit non à des milliards de trucs, hein, mais c'est vrai que ça me mettait des freins. Bon, je dis toujours non quand on me demande des commandes personnalisées, parce que je suis pas capable de faire ça. Je suis trop en stress dès qu'il s'agit de faire un truc vraiment précis ou quoi. Donc je dis non, je vends pas trop mes aquarelles non plus. Mais par contre, je peux répondre si j'ai des demandes. Bah, je t'en parlais la dernière fois, par exemple, pour des tatouages éphémères, là, du coup.
J'ai pas eu de nouvelles encore, mais bon, on verra. Et pour d'autres projets plus ou moins. Enfin, par exemple, je vais sûrement travailler en collab avec mon photographe, donc le photographe qui a fait les photos pour le livre. Faut que je te raconte tout un truc et qui fait aussi des faire-part. Et du coup, je vais sûrement être en collab avec lui, lui et sa femme, qui ont créé une entreprise Plume Papeterie. Et donc comme ça me permettra d'avoir un pourcentage sur les ventes de faire-part, enfin des choses comme ça en fait. Génial. Voilà. Et en fait, donc pour le livre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les photos et la couverture surtout. C'était les deux gros trucs et les relectures. Alors, en fait, c'était une période assez dense par rapport au livre. Pas beaucoup, pas très créative, mais très beaucoup de choses à faire en fait, indispensables. Donc les photos, c'était créatif un peu, mais c'était quand même bon. On avait une liste assez précise de ce qu'il fallait quoi pour à mettre dans le livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le couvre-feu. Donc, les photographes de Paris ne voulaient pas se déplacer en province car ils ne savaient pas voilà, où ils allaient loger, où ils allaient manger, etc. C'était compliqué. D'accord. Et donc, moi, j'ai dit à mon éditrice, je lui ai dit « Non, moi, je ne veux pas qu'on fasse des scans ou je ne sais pas comment on aurait fait. Enfin, moi, je veux des photos, quoi. » Même si ce n'est pas un livre de photos de base, il y a surtout des pas à pas. Voilà, mais il y a des photos quand même dans le premier tiers du livre, en fait. Et moi, je voulais vraiment qu'il y en ait pour illustrer, tu vois, les palettes, les pinceaux, etc. Et du coup, j'ai fait jouer mes petits contacts. Je commence à avoir un petit réseau de contacts sur Cherbourg grâce à Instagram. C'est vraiment top. En fait, j'ai demandé à Camille qui enregistre des podcasts par rapport à des entrepreneurs créatifs ou des entrepreneurs tout court ou des gens qui sont un peu dans l'auto-entrepreneuriat sur Cherbourg. Et elle m'a renseigné sur deux ou trois photographes, dont un, Julien, qui habite à 200 mètres de chez moi, en fait. Et du coup, on s'est parlé un petit peu sur Insta avec Julien, et ensuite j'ai montré son site internet à mon éditrice, et elle l'a validé, et elle a dit OK. On y va avec lui. Donc j'étais trop contente parce que moi le fait de faire travailler quelqu'un du coin c'est top, un voisin en plus, enfin je le connaissais pas hein, mais voilà et ça s'est super bien passé. Franchement on a fait une rencontre artistique au top quoi parce que donc il est venu une première fois faire un petit repérage chez moi, après il est revenu donc c'était un lundi, un jeudi, le jeudi avant les vacances donc il y a 4 semaines à peu près. Et en fait, on a fait toutes les photos en une journée. C'est-à-dire qu'on a commencé à 9h le matin, on a fait une pause à midi pour que j'aille en cours. J'avais 1 heure de cours à assurer, ça tombait bien, c'est la semaine où je n'en ai qu'une. Une fois sur deux le jeudi, je n'ai qu'une heure de 13 à 14. J'ai laissé Julien est rentré chez lui manger, pas très loin. Moi, j'ai été en cours et il est revenu à 14h30. Enfin, il est même revenu avant parce que comme mon mari est en télétravail, il a pu revenir avant moi à la maison pour mettre en place son trépied et tout parce que l'après-midi on a fait des photos par terre en fait avec un trépied. Les autres photos il les faisait vraiment lui-même, enfin lui-même sans poser son appareil quoi, sans trépied et donc on a fait ça jusqu'à 17h et on a eu une frayeur quand même à 10h30 sachant qu'on avait commencé vers 9h quand Pascal nous a dit mais c'est pas le bon format. Pascal c'est mon éditrice. Elle a dit c'est pas le bon format. En fait, il avait compris en format paysage ou de format vertical, voilà. Donc on a tout refait, mais bon, il y avait pas trop de trucs à refaire non plus parce qu'on avait surtout pris nos marques en fait à ce moment-là. Et on a fait des photos où j'étais en train de peindre. C'est les photos qu'on voit dans le livre où on voit peindre des feuilles sur différents papiers, on voit faire des fusions, des machins. Et l'après-midi, on a pris les photos de palettes. D'aquarelles mises ensemble, toutes ces autres photos là. Et Pascal a validé, donc on était trop contents, on a fait des checks du coude, on était et voilà. Et donc c'était cool. Et Pascal a ensuite quelques jours plus tard, on s'est téléphoné pour se mettre d'accord sur quelles photos on gardait, etc. On a déjà fait une présélection avec Julien, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une prise de vue, tu vois, il faisait une centaine de photos, puis on regardait. En tout, il en a fait 1000, hein, je crois, ou 800. Okay. Voilà, et on regardait, on sélectionnait tout. Et donc, on a choisi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il en manquait 3. Il manquait une photo où on me voyait un peu, parce qu'on me voyait... Il y en avait une où ça allait, mais j'étais dans l'ombre, c'était pas top. Donc ça m'a un peu saoulée, parce que voilà, c'est pas les photos que je préfère faire, où je pose, enfin, je pose plus ou moins, je dois peindre et on me prend en photo, quoi. Bon. Et il manquait une photo d'une palette et je sais plus quoi.
Et du coup, on a convenu d'un autre rendez-vous avec Julien. Donc, il est venu il y a 2 semaines, le lundi après-midi, pour le coup. Et on a fait en 1 heure et quelques, c'était fait. On a même profité du beau temps pour aller faire quelques photos au bord de la mer, du coup. Qui ne sont pas dans le livre, mais justement, en fait, la plupart des photos qu'on a faites aussi, il va me les vendre, en fait, pour que je puisse m'en servir pour mon futur site internet. Ah, bien. Voilà, parce que, en fait, je de plus en plus, je me rends compte qu'Instagram, ça m'appartient pas, Instagram. Mmh. J'ai pas envie de ça. En plus, j'ai envie que les gens puissent aller facilement voir des conseils de matériel, tout ça. Et comme en plus, je sais pas si je t'en avais parlé ou si c'est arrivé, je sais plus quand c'est arrivé, j'ai aussi maintenant une collaboration avec Dalb. Et du coup, sur mon site internet, je vais pouvoir renseigner les gens sur le matériel à utiliser pour débuter et qui sera surtout référencé chez Dalb, en fait. Et ça, nickel. C'est parce que je voulais vraiment mettre en avant une enseigne et que cette enseigne soit au courant que je le fais, quoi. Tu vois, ne pas mettre des liens vers Amazon ou vers je sais pas quel autre site sans qu'ils soient même au courant. Puis Amazon, j'avais pas trop envie. Et puis d'autres enseignes, c'était un peu bizarre qu'ils soient pas au courant que je les renseigne alors qu'il y aura peut-être du monde qui va circuler sur le site. Peut-être, tu vois. Du coup, je trouve ça cool que tout ça, ça s'arrange très bien. J'agence mon petit truc. Et je fais faire mon site internet par quelqu'un de Cherbourg aussi, que j'ai connu via le petit réseau que je suis en train de me créer sur Cherbourg. Et pour l'anecdote encore, 2 jours avant le shooting, Pascal me fait « mais ce serait peut-être bien une petite manucure pour ça, prendre des photos et tout. » Parce que c'est mes mains qu'on allait voir surtout. Je fais « bah ouais, mais là c'est un peu tendu. On a 2 jours du shooting. » Parce qu'en fait, tout s'est mis en place très vite, vu que à la base, c'était pas prévu que ce soit quelqu'un d'ici. Enfin voilà. Et du coup, j'ai contacté encore Camille, donc du podcast L'Écho Tantinois, que je vais enregistrer un podcast avec elle d'ailleurs fin avril là. Et tu vois, moi qui rêvais de faire du podcast. 2 d'un coup. Voilà. Et du coup, j'ai appelé, elle me fait oh bah tu peux contacter cette personne. Donc je contacte, c'est Elodie qui tient une petite boutique qui prépare les mariés pour préparation mariage tout ça. Et tu vois, elle a une petite un petit magasin et avec tu peux essayer ta robe de mariée, tous ces trucs. Mmh. Et elle connaissait donc quelqu'un qui faisait de la manucure à des soins esthétiques à domicile, tout ça. Bon, on n'a pas réussi à trouver un créneau, c'est pas ça, mais c'est qu'après, du coup, en ayant rencontré Elodie, j'ai rencontré sur Insta Pauline, petite Cassiopeia. Voilà, aujourd'hui, au jour où je te parle, on a lancé un concours pour gagner des bijoux, parce qu'elle fabrique des bijoux, elle est joaillière en fait. Nickel. Mais alors, dans tout ça, ton métier d'enseignante? Oh, ça va, je suis toujours devant mes élèves. Hein. C'est à la route, hein, je fais. Mais là, hier soir, je suis passée jusqu'à 10h du soir à faire mes appréciations. Je continue, voilà. Même, je crois que je travaille même encore plus qu'avant dans ce domaine-là aussi. Je crois que je pense que tout ça me donne beaucoup d'énergie et d'envie. Ouais. Pour l'instant, ça va. Faut s'organiser de ouf, mais ça va. Ouais, ouais. Bon, et ben génial, donc que des belles nouvelles. Ouais, et puis surtout, travailler avec un réseau charbourgeois, je trouve ça génial, quoi. Mmh. Ouais, c'est top. Ouais. Bon, ouais. Et alors, donc là, l'aventure du livre, du premier livre, n'est pas encore tout à fait derrière toi, parce que maintenant, il va y avoir toute la partie de promotion du livre. Je sais pas comment ça va se passer encore, j'ai pas d'idées, mais on va voir. Bon, est-ce que tout ça te donne envie de faire un deuxième livre? Carrément. Carrément. Alors, je fais toujours la carpe, hein, parce que vous savez, mon talent pour ne rien dire, parce que vous avez remarqué, pendant des mois, je vous ai tout caché. Mais peut-être que je communiquerai davantage, parce que j'aimerais bien permettre aux gens de connaître un peu les coulisses. Tu vois, je trouvais ça mm-hmm. cool. Je sais pas du tout. Puis attends, il faut qu'il y en ait un qui soit en route, hein. C'est pas le cas encore. Mais voilà, j'ai un peu toutes les cartes en main pour que ce soit possible. Après, mm-hmm. on va voir. Génial. Écoute, que des belles choses. Bon, bah, donc, c'est que des super nouvelles, Anne-Claire. Je suis super contente pour toi. Et on a un peu le sentiment que ça fait, un peu la loi de l'attraction. Bah, franchement, ouais, moi, depuis le début, je suis un peu là-dedans dans le sens où j'ai vraiment, après, je pense que je sais pas, ce que me dit Pauline, tu vois, Pauline avec qui je fais le partenariat pour les bijoux, là. Pauline, elle est super à fond dans tout ce qui est lithothérapie, un peu énergie et tout ça. Et elle me dit,
t'es vachement aligné, sûrement que je dois être à la bonne place en fait, et que tout vient. C'est un truc de malade. Non mais même moi, des fois, je me dis mais non, enfin c'est pas possible en fait. tout s'enchaîne, genre mais j'ai rien, j'ai pas. Enfin si, j'ai bossé au niveau de l'aquarelle, j'ai bossé de ouf. Au niveau des réseaux sociaux, je me suis investie vraiment beaucoup. C'est clair. Ouais. Et j'ai fait ça très naturellement et j'ai pas été chercher les gens quoi. Ouais, et sans arrière-pensée, parce que tu t'es toujours dit bah ce qui vient vient et voilà, de toute façon t'as pas l'intention de lâcher ton métier d'enseignante, non. etc. quoi. Non, j'ai même pas l'intention, tu vois, je me suis posé des questions sur prendre peut-être un trois quarts temps ou quoi, et je pense que non, pour des raisons enfin liées, bref, d'autres raisons liées à l'organisation par rapport au lycée, etc. Ça aurait été compliqué, comme je suis prof de latin et de français, enfin voilà, je suis obligée d'avoir plus d'heures, enfin c'est compliqué. Ouais. Du coup, c'est plus simple comme ça. Et en fait, je me rends compte que ça me demande de l'organisation, mais aussi d'aller droit au but. C'est-à-dire, je tergiverse pas 107 ans sur une aquarelle, sur un truc. Je suis obligée d'être efficace tout de suite. Et je me rends compte que c'est une force, en fait, parce que j'ai pas le temps de me poser trop de questions. Ouais. Tu vois. J'ai pas le temps d'être trop perfectionniste, et ça, c'est pas mal, parce que moi, je le suis. Du coup, tu vois, je fais des stories à l'arrache, je fais des photos en 2-2 si je peux. Je fais des fois, je me dis, oh là là, genre mes réels, là, des fois la lumière est pourrie, l'enchaînement est pas top, mais ça marche quand même. Et je me dis, les gens, peut-être, ils se disent, bah, je suis capable de le faire si elle y arrive, tu vois. Et je pense que, tu vois, c'est pas ultra léché, c'est pas ultra, voilà, mais peut-être il y a cette authenticité qui fait que, bah, les gens se reconnaissent, et moi, ça me touche si les gens se reconnaissent, tu vois, ou se disent, bah, c'est possible, en fait. Ouais. Bon bah nickel. Et je viens de penser à une question, c'est toujours un peu ma question que je dis qui est un peu débile mais que j'aime bien quand même. C'est ma question sur, ça fait longtemps que je l'ai pas posée, sur l'île déserte. Qu'est-ce que t'emmènes sur une île déserte? Qu'est-ce que j'emmène? Bah des pinceaux, quelques pinceaux, mes pinceaux préférés. Un peu de ouais des aquarelles quand même, une palette. Alors, je pourrais peut-être emmener la palette de Dalbe parce que je suis en train de vraiment kiffer les aquarelles Bréa de Dalbe. Et du papier, forcément. Et qu'est-ce que j'emmène? Mon fils, quand même, mon mari. Ce serait cool. Je suis obligée d'être toute seule ou je peux emmener des gens? Non, mais tu vois, je pense que t'es une des rares qui me dit que t'emmènes ton mari et ton fils. Parce que normalement, le principe, c'est d'être tranquille. Ouais, mais non, je les emmène quand même. Bon, après, faut qu'il y ait quelqu'un. Non, alors, faut que j'emmène en plus, genre, ma voisine que j'adore, qui garde mon fils des fois. J'ai failli dire, faut que t'emmènes ta nounou, puis je dis, oh, bah non, quand même, elle va pas dire ça. Non, mais ouais, et puis bah, des bouquins, et en ce moment, je suis à fond dans les bandes dessinées ou les romans graphiques, et une bonne cargaison de bons romans graphiques, et je crois que là, je suis bien. Bon, nickel. Pas de chocolat, rien du tout? Non, ça me file mal au ventre, tous ces trucs-là. Je suis en train de faire vachement gaffe à ça aussi en ce moment, et ça fait du bien, tu vois, je soigne mon corps, j'ai souvent des maux de ventre, et là, je suis en train de faire vachement gaffe à mon alimentation. Et non, du coup, je me nourrirai d'amour, d'eau fraîche et de noix de coco. 100 grains de sable. 100 grains de sable, voilà. Ok, ça marche. Bon, alors pour conclure cette série d'épisodes fleuve, alors pour vous, forcément, vous allez tout écouter d'un coup ou en deux épisodes, on verra. Mais forcément, ça, comment dire, avec Anne-Claire, forcément, nous, c'est une, je trouve pas le terme, mais c'est, oui, c'est un peu une série fleuve, quoi, une, hein, t'as vu? Ça fait un moment que ça dure, quoi, on a commencé genre en octobre, juillet. Juillet, oh là 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 là. Mais c'est long, et tu sais que moi, là, j'en peux plus d'attendre mon livre. J'en rêve la nuit, je te jure, cette nuit, je rêvais d'aller chez la libraire, je disais, alors c'est bon, il est arrivé. Je te jure, ça devient grave. Et il me reste quasiment deux mois, quoi. Et est-ce que t'as peur qu'ils se vendent pas? Non. Ou est-ce que c'est pas ton souci, entre c'est guillemets? C'est pas mon souci. Franchement, bah, j'ai eu la chance d'être dans une maison d'édition qui, de toute façon, bah voilà, j'ai eu un avaloir. Quoi qu'il arrive, je serais payée la même chose. Donc, qu'il soit beaucoup vendu ou moyennement vendu. Et je le faisais pas pour ça, de toute façon. Oui. Bon, t'as quand même une petite commission sur les ventes. Donc t'as un petit pourcentage qui fait que ça est très vendu. Ouais, faut que ça dépasse la valoir. Ça dépasse, il faut qu'il soit beaucoup beaucoup vendu. Non, mais sincèrement, je pense que ça va être, qu'il va se vendre parce que bah les gens, il y a des gens qui me connaissent via Insta qui vont l'acheter, et il y a des débutants qui vont l'acheter parce que je l'ai fait pour eux en fait. Mmh. Et je pense que
Bah, j'espère qu'il va être le livre qui va répondre. Enfin, en fait, j'ai fait le livre que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé l'aquarelle, en fait. Donc, bah, je pense qu'il y a un public pour ça. Bien sûr. Après, non, oui, c'est pas vraiment mon souci et ça m'empêchera pas d'avoir d'autres projets derrière, quoi. C'est clair. Puis alors, quand tu vas le mettre dans ta bibliothèque, ça va être trop bon, quoi. Oh. Et puis voilà, la couverture, elle pète, hein. Elle va se voir de loin, vous allez voir. Ouais. Donc, dans les tons bleus, si je me souviens bien, tu nous l'as montré. Ouais. Nickel. Bon. Alors, pour conclure, hein, tu connais ma petite question de conclusion. De quoi tu es la plus fière? D'avoir osé, osé faire tout ce que j'ai fait. De pas m'être posé trop de questions, d'avoir osé faire. Ouais. D'avoir accueilli mes propositions. C'est ça, d'avoir osé commencer l'aquarelle, déjà. D'avoir osé poster sur Insta, d'avoir osé mettre toutes mes idées plus ou moins farfelues en œuvre, en fait. J'ai une idée à la minute et bon, je ne les mets pas toutes, mais il y en a beaucoup que j'essaie de mettre en place. Des fois, ça prend du temps, mais c'est pas grave, elles sont mises en place un jour. Et il y a des fois des trucs qui m'arrivent que j'aurais jamais même imaginé. J'aurais jamais imaginé faire un livre. J'aurais jamais imaginé être en collab avec Dalb. Pour moi, c'était Jenny, c'était inaccessible. Et là, avec Jenny, on se parle tous les jours. Enfin, c'est un truc de fou. En fait. T'aurais jamais imaginé passer à la télé. J'aurais jamais imaginé. Ouais. En fait, je crois qu'enregistrer le podcast, ça m'émeut plus que passer à la télé. Tu vois, silence, ça pompe. C'est trop mignon. Genre, voilà. Mais franchement, bah, attends, le podcast, mais je l'écoutais, mais religieusement. Tu sais qu'on, je l'ai suivi depuis le début. Je sais. Même avant que t'aies commencé. C'est quand même. Non, mais tu sais, c'est le genre de truc, tu t'en souviens. Tu sais, je me souviens du moment où j'étais sur mon Insta et on parlait pour la première fois. Et où je sais plus comment ça s'est fait, mais on s'est trouvé par hasard. Moi, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Toi, non. Je crois que c'était sur ton truc de carterie. Ouais. Et on a parlé, puis tu m'as dit, ah, je fais un podcast. Mais j'étais à fond. Et travail, j'étais ton, genre, ton attaché de presse et tout. J'étais en mode. Et bon, là, j'y suis moins. J'ai un peu honte, mais en même temps, c'est pas des aquarellistes. C'est vrai. Ouais, j'ai plus trop d'aquarellistes dans mon escarcelle en ce moment, dans mes. Ouais. Du coup, mais voilà, et donc du coup, enfin, je trouve que c'est assez énorme de se retrouver là à faire un épisode hyper long et à te raconter tout ça. Enfin, j'hallucine, moi, j'hallucine. En fait, je crois que quand je vais m'écouter, je vais halluciner parce qu'en fait, j'écoute plein de podcasts où les gens racontent ce genre de trucs. Et je suis là, oh, c'est trop bien et tout. Et là, tu vois, c'est là que je me dis, visualisation, loi de l'attraction, ça marche. Ouais. Écoute, c'est une belle conclusion, ça marche. Think positive, comme dirait je sais plus qui. C'est ça. Allez-y, ça marche. Franchement, ouais. N'hésitez pas trop, foncez et voyez ce qui arrive. Au pire, vous prenez un nom. Et alors, c'est pas grave un nom. Ouais, moi j'en ai pris plein des noms. Hein. Ouais. Que ce soit pour des personnes qui, bon, ça les branchait pas trop de participer au podcast, ou alors à la place des noms, j'ai aussi eu beaucoup d'indifférence, donc pas de réponse. Ouais, bah c'est une sorte de nom, quoi. Voilà, qui est un peu un nom un peu plus violent que quand c'est un vrai nom, parce que le vrai nom, en fait, tu dis bah ok, je passe à autre chose, ouais. Alors que l'indifférence, tu le prends un peu plus perso. J'attends, tu te dis est-ce que ça va peut-être. Ouais. Mais en même temps, j'ai eu plein de personnes qui m'ont pas répondu, et puis un jour ça s'est fait. Ouais. Alors je vous dirai pas qui, mais plein. Ouais. Donc voilà, pour ma recherche de partenariat, c'est pareil. Globalement, il y en a pas beaucoup qui m'ont répondu. Alors, j'ai pas non plus envoyé des dizaines et des dizaines de propositions, de demandes, mais c'est ça. Il faut oser, il faut faire. C'est ouais. Just do it. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Bon, écoute. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour cet épisode de fleuve. On va se régaler. Ne vous noyez pas dans le fleuve. Mais non, mais voilà, c'est génial, quoi. Depuis juillet, on se parle régulièrement. Donc, je trouve ça extra d'avoir suivi tout ce cheminement. Ouais. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Bah ouais, puis tu sais que je compte faire un article sur le blog, enfin, sur le site, mais qui va être un blog un peu pour moi, tu vois, où je vais, je pense que je vais raconter un peu les étapes pour le livre et tout ça. Bah ouais. Il n'y a pas beaucoup de choses. Enfin, s'il y a des vidéos YouTube, bah, moi, j'aimerais mieux faire sur un format, où je raconte et où on écoute. Mais enregistrer moi-même mon podcast, je sais pas trop. Faudra que je vois peut-être après. Ou un vlog, mais je suis pas forcément à l'aise de me filmer, tu vois. Dis après, c'est comme tout, ça vient en faisant. Hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je vais tenter le format écrit et puis après, peut-être, pourquoi pas. Parce que moi, il faut que je me débloque au niveau du montage vidéo. C'est ça qui me, pour l'instant, me bloque. Mais
je pense que je finirai un jour par créer une chaîne YouTube. Ça fait partie un peu de la continuité du truc. Tout à fait. Eh ben écoute, merci beaucoup Anne-Claire pour tout ce temps que tu m'as consacré. Et puis, bah, évidemment, on te retrouve donc sur Insta, avec ton livre entre les mains, connecté à ton site internet. Bientôt, voilà, peut-être une chaîne YouTube, etc. Enfin, voilà, tous les projets que tu vas mener de front avec à la fois ta vie pro et ta vie de maman. Ça ouais. fait beaucoup, mais on y arrive parce qu'on est forte. Et on y arrive parce que, bah, c'est, j'entends, j'écoutais bah, la Laïla qui va faire mon, justement mon site internet. Elle disait quand l'énergie est là, eh ben allez-y quoi. Et c'est exactement ça. C'est vraiment là, j'ai l'énergie, j'ai l'envie. Eh ben j'en profite. C'est pas le jour où j'aurais plus envie que je le ferais quoi. Ouais 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 c'est ça. Non non mais c'est il faut y aller. Ouais. Il faut s'écouter. Nickel. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Anne-Claire. À très vite. Merci à toi. Merci à toi. Ouais à très vite. Me revoici. Si j'en crois vos retours sur les trois premiers épisodes, ce format feuilleton vous a plu. Et à moi aussi, donc je pense que c'est à refaire. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, dans la vraie vie ou sur Instagram, ou Facebook hein, d'ailleurs. Et si vous écoutez sur votre iPhone ou votre iPad, vous pouvez laisser une note et un commentaire, donc sur Apple Podcast, votre appli de podcast. C'est un vrai régal de vous lire et en plus, ça aide le podcast à se faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.